Hey, salut tout le monde. Donc voilà, je tourne cette petite introduction juste pour vous dire que je suis désolé du bruit de fond type machine à café dont vous m'avez parlé. J'ai eu des retours là-dessus sur déjà la première vidéo sur Dofus. Je suis d'accord, c'est dégueulasse. Je vais essayer d'arranger ça. Si vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un MP sur Dofus, Nestui ou Nestrina. Ce sera vraiment sympa parce que moi aussi quand j'écoute, quand je regarde la vidéo au moment du montage, je me dis que c'est vraiment dégueulasse. Enfin bon, bref. Bon visionnage à vous pour la vidéo qui suit. J'espère que ça vous plaira et à la prochaine. Hey, et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne et comme vous avez pu vous le voir, oui, vous avez pu le voir à l'instant, on ne se retrouve pas sur Dofus mais sur un jeu que... Un ami m'a fait découvrir à l'internat qui est vachement sympa. Bon, là je suis tout seul donc ça va être moins cool. Mais donc on vous montrera un internat. Ce jeu s'appelle donc Rainbow Six Siege. Donc le principe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc. Tac, appuie sur une touche, voilà. En multijoueur en tout cas, je n'ai jamais essayé la campagne ni rien. Donc le principe c'est de. Vous avez une situation dans laquelle deux équipes s'affrontent, une équipe de défenseurs, une équipe d'attaquants. Combat rapproché, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Ok, voilà, donc vous avez toutes les classes d'assaillants ou de défenseurs, comme je venais de vous le dire. Donc chaque classe a sa particularité, son matériel disponible, etc. Et donc, les défenseurs se barricadent dans une salle, posent des pièges, blindent les murs, enfin etc. Et les assaillants, eux, vont essayer de les déloger et de les tuer. Donc il y a plusieurs phases sympathiques qui sont prises en compte. Le jeu, je ne l'ai pas en version achetée. Attendez, on va se faire une petite... je sais pas, j'ai jamais essayé. Bon, allez, on va se mettre en normal pour commencer, parce qu'on n'est pas chaud. Alors. Voilà, donc ça c'est on vise. Waouh, il a vachement de vie lui. Donc faut savoir que en bas au milieu de l'écran, vous pouvez voir un numéro 100, ça correspond à la santé que vous avez. Vous ne regagnez pas de votre vie. Une fois que vous avez perdu un point de vie, c'est définitif. Donc c'est assez tendu là-dessus. On va recharger. On y retourne, attention. Oh là là, j'ai plus l'habitude, c'est un peu tendu. Alors. Vous pouvez traverser les murs avec vos balles, bien sûr. C'est hyper réaliste. Vous pouvez voir les balles qui passent. On s'accroupit.
Il est bas. Ok, il y a encore 6 ennemis. On va aller chercher celui qui est par là. Attendez, où est-ce qu'il est? Ouah! Ouh là là, la grenade. Ok, on voit vraiment que c'est un débutant là. Il aurait pu 1000 fois me tuer, il l'a pas fait. Bon. En même temps, c'est un peu le premier stage. Enfin, la première mission, donc c'est un peu normal que ce soit facile, je pense. C'est bien ça, c'est bien ce que j'avais vu. Ouais, j'ai bien entendu la grenade. Attention. Oups là. Voilà, donc là j'ai perdu de la vie, c'est définitif. Quatre ennemis restants, j'ai même pas vu. Oh là là. Non, ça c'est un mannequin. Putain, entre les mannequins, il est vrai. On se casse, putain de ta mère. Alors. J'ai plus de munitions en plus. Wow. Calme tes ardeurs, toi. Et je vais plus avoir de munitions non plus. 8 de santé, prochaine balle, je meurs. Est-ce qu'ils auraient pas des munitions? C'est le dernier. Wow. C'est bon, mission réussie, c'était tendu. On va voir si on peut pas faire la deuxième dans la première vidéo. Je sais pas combien de temps de vidéo j'en suis, c'est pas grave. Écoutez, on est là pour s'amuser, pas pour regarder combien de temps on joue. Ah. Ouais, bah ça c'est pas grave. Situation suivante, allez, c'est pas grave, on y va. Donc oui, le jeu est craqué, donc forcément, le mode en ligne n'existe pas. Ah, il y a un otage. Voilà, donc maintenant, le but de la mission, c'est d'escorter l'otage en dehors de la maison. Donc vous voyez, saisir, c'est là où se trouve l'otage. Wow. J'ai déjà perdu un quart de ma vie. Un petit peu bêtement, mais bon, écoutez. Donc l'otage est au-dessus.
Hop là. Alors, comment on fait ça déjà? Surface non destructible, on peut pas casser ça? Attendez, normalement, ici il y a un endroit. Tant pis, on peut pas y aller via le rappel. Allez, allez. Non, c'était une ombre. Allez. Comment on donne un coup de corps à corps déjà? Je ne sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Normalement, elle est censée se casser beaucoup plus rapidement. Bon, hein. Pour le coup, fuck. On a déjà fait des trous partout, mais c'est pas grave. Attention, on a été flash complètement, c'est pas cool ça, c'est bon, on est safe. Wow, là ça va être tendu là. Attention. Ah, je suis mort, voilà. Bon. On va reprendre notre temps et plus doucement. Alors, tac. Recommencer. Recommencer. Je suis plus habitué. Alors, on y retourne. Ça fait quoi si je mets... Ah, ça c'est bien ça. Voilà, donc c'est ça que je cherchais. Donc ça c'est un drone de reconnaissance, c'est vachement pratique, j'aurais dû l'utiliser avant d'entrer. Alors, comment retourner à la personne? C'est comme ça. Là, juste derrière, il y en a un.
Wow, il y en a même plusieurs. Ok, on va se remettre, on va se replanquer. Ah! Et on va retourner avec la visio. Hop là. Allez, c'est reparti. On va voir où ils sont. S'il n'y a personne. A priori, en bas, c'est une montre à peu près. Nickel. Là, il n'y a personne. Là, on vérifie, mais normalement, il n'y a personne. Attendez, normalement, il y en a un autre par là. Voilà. Ok, donc deux mecs à droite. C'est parti. Attention. Ok, c'est bon. Je l'aurais tué. A priori, oui, d'accord. J'ai pas vu le... D'accord. Donc ce jeu est très important au niveau des bruits. C'est pour ça que normalement faut vraiment pas beaucoup parler. Là, par exemple, on pourrait suspect. Écoutez, on va... On va y aller. Il y a quoi dans cette pièce?
Ok. Donc, ce sera la personne sur la droite. Ça va être tendu. Allez. Ils sont où ces fils de pute? Et de 1. Ok. Oh, t'as eu chaud, toi. Oh, la vache. Allez, go. On y va. Putain, il lui fallait combien de chargeurs à lui? Et là, je me prends une balle et c'est mort. Non, c'est bon, c'est réussi. Eh bah putain. C'était tendu quand même, hein? Bon, allez, c'est parti pour la troisième petite mission. C'est parti, allez. Cible VIP. Ok, alors. Il y a une bombe, on va devoir aller la désamorcer, ça c'est génial.
Oh, ils vont se calmer, eux. Alors par contre, je me souviens plus du tout comment on fait. Du coup, c'est un peu chiant pour mettre des coups de corps à corps et donc péter ces trucs-là. Oula, t'en as déjà un freeze? Ah non, c'est bon. Je viens de capter. ouais. Je n'y vois rien, c'est vachement chiant. Ah, mais il est là. Il y en avait trois. Ah putain. Bon, allez, on y retourne. C'est un peu le bordel quand même. Allez, maintenant on sait comment on fait. On sait qui y a, etc. Alors ça va chier. J'étais bien parti en plus. Dommage. Courir un peu quand même. On est en France, les gars. Je sais pas où, mais on y est. A priori, les situations de ce jeu ont vraiment existé, donc, enfin, c'est tiré de situations réelles. Ah! On va remettre la tête à l'endroit.
Et de 1. Et de 2. Tout à fait. 3. Ça, ce n'est pas un, ça. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Ah, où est-ce qu'il y a le bouton pour entrer? Il est là. Qu'est-ce qu'il est ce singe? Je sais que tu es là. Alors, next. Ah! Hostiles have located the diffuser. 5 seconds remaining until the bomb is defused. Bon, bah ça réussit sans être réussi. Je suis tombé dans un trou, j'ai pas compris. Ah, je tombais dans une trappe, ouais, ok. Parce qu'il y a des endroits du sol où on peut casser, donc voilà. Bon, alors, situation suivante et la petite dernière pour cette vidéo. Oh! Onze ennemis, pas mal. Excusez-moi. Waouh, désolé pour vos oreilles. Moi, je propose qu'on envoie un petit drone. Alors, sur cette carte, c'est très... Ça peut être facile comme très compliqué.
Parce qu'il n'y a que deux. Il n'y a qu'un sens en fait. Une fois que vous avez nettoyé derrière vous, normalement vous n'avez plus aucun souci à avoir. Pas comme dans la maison où ils peuvent arriver. Là, normalement c'est bon. Il n'y en avait un qui était par là. Déjà, on va y aller comme ça. Comment on fait un trou? Attendez, on se relever. Alors, on va voir les commandes, options. Commande. D'accord. Mais ça m'aide pas en fait. Ça ne m'aide pas. Je sais pas, écoutez, voyez sans. Oh, c'est sympa. J'ai mis de life, j'en ai éliminé qu'un seul. Comment vous dire que cette map, comme je vous l'ai dit juste avant, peut être très compliquée, mais je l'avais pas vu lui. Pourquoi je l'avais pas repéré en reconnaissance? On recharge et on est reparti. Ça met sous pression. Ok, 8. Il y en a un qui écoute la radio, au calme.
J'aurais pu entrer par là sans faire de bruit aussi. Ah ouais, non, en fait, j'aurais pas vu. C'est une aile. C'est sympa. Toujours personne. J'ai même pas vu cet abruti. Comment ça, t'es pas mort, toi? T'as pris des balles dans le vide et t'es pas mort. Ah bah là je suis mort moi. Forcément. Bon, on y retourne. C'est assez tendu, hein. Celle-là, la vache. Faut avoir les nerfs bien accrochés. Allez, c'est reparti mon kiki. Et c'est dans ce cas-là qu'on aime bien connaître la touche pour donner un coup de cac. Oh, salope. Wow. Se sent pas vraiment à l'aise, hein. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas encore ça, hein. J'ai encore du boulot avant de bosser pour le GIGN, etc. De toute façon, c'est pas vraiment mon orientation, mais bon.
Il m'a mis 15 balles, hein, pourtant. Allez, une petite dernière, parce que j'aime pas arrêter sur une défaite. Et puis, bah, si j'y arrive pas, on va s'arrêter là. Allez, c'est reparti. Tout seul, c'est vachement plus stressant, les gens. Quand on est à deux, on y arrive vachement plus facilement. Parce que du coup. D'accord, bah allez comprendre pourquoi ça veut pas, normalement. Normalement, ça se perce plus facilement. Ah, le fils de... C'est bon. Putain. Le problème, c'est qu'il change de place après. Oula, des bugs graphiques. Allez, allez. Oh, c'est que j'ai peur qu'il y en a un qui arrive de là quand je vais rentrer. Forcément, quand on sait où ils sont, c'est un petit peu plus. Je pense que la soute a été nettoyée, sait-on jamais. Ok. Maintenant à l'étage. J'ai plus beaucoup de munitions.
On va faire un truc. Voilà. Ouf, ça me calme un peu les nerfs. Donc ça, je peux me permettre d'avancer un petit peu plus rapidement. Ouais, coucou toi, par exemple. Écoutez, on va pas attendre pour aller chercher, hein, tant qu'il est là. En fait, il y en avait un deuxième juste là, je crois. La pièce est fermée, il n'y a pas d'autre issue. J'ai visé comme une bite. C'est que je pourrais pas avancer tant que je saurais pas s'il y a le deuxième ou non. Ouais, toi aussi t'es là, toi. Salut mon gros. Ouf. Il est là. Ouf. Et le dernier. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais pas beaucoup parlé, mais c'est. Si vous voulez l'essayer, tiens, je vais vous remettre au menu. Quitte la situation, yes. C'est Rainbow Six, donc Arc-en-Ciel 6. 6, pardon. Voilà. Donc ça s'écrit Rainbow quoi, Rainbow, plus loin 6 Six. Bon voilà, hein, c'est pas très. Il n'y a pas de piège ou autre, voilà. J'espère donc que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur Dofus, peut-être sur Rainbow Six, on verra. Allez, à bientôt. Bye!